La raison pour laquelle j'ai fini aussi tard ce soir, c'est pour nous avancer pour demain matin. Donc en vrai, et aussi parce que j'étais obligé de prendre mon vélo d'entraîne parce que j'ai plus de selle et que je faisais pas la Roberto ici en danseuse après 13 heures de taf. C'était pas négociable. On part sur Snake contre Wii Fit Trainer. Sur PS2. Sur PS2, ça va être sur PS2, tout ça, toi, tu vois, pas besoin de questions. Ah, ça bouge vite là, hein. Alors, je vais te décrire le match-up de la manière dont Kurako l'a déjà décrit une fois. Ça se passe bien pour Wii Fit Trainer jusqu'à ce que MotoGP se rappelle qu'il a un crouch. Globalement, c'est ça. D'accord. Globalement, c'est ça. Une fois qu'il a compris qu'il peut juste rester par terre, Wii Fit Trainer peut pas faire grand-chose. Okay. Mais, en général, ça prend une ou deux games. Tu vois, il est resté par terre, Wii Fit Trainer l'a bonne. Wii Fit Trainer, son gros problème, c'est de taper les persos petits. C'est pour ça que, genre, elle déteste Game & Watch, elle déteste Pikachu et Pichu, elle aime pas particulièrement Ness et Lucas non plus. Ouais. Bah, elle aime pas les enfants, quoi. Pikachu est un monstre. Je sais pas. Game & Watch, Pichu, pas... techniquement, oui. Pichu, oui. Game & Watch n'est pas un enfant. Game & Watch est un des persos les plus vieux de son époque. Game & Watch, c'est en 2D. Oui. Et c'est un bonhomme bâton. Ouais. Et pendant qu'on discute de la nature de Game of Thrones, on a un Snake à 210 quand même. Attention à C4. On a un Snake à 223% sur PS2. On respire bien comme si Kurako lui éternue dessus. Ah bah il a éternué. Littéralement il lui a éternué dessus. Ah. Et ce temps là ah bah voilà, putain il s'est fait botter le cul et on revient à Even. On va charger de salut de Sun. Ok, une petite phase. Ah, on a utilisé le Cypher hein, pour ouais, on a utilisé la hitbox du Cypher à bon escient. Exactement. Et on a de nouveau un Snake à 103% qui raconte dans une bonne phase d'avantage, même si il se fait mettre au ledge. Et ça peut potentiellement poser problème, surtout quand on est contre Snake qui a, je le rappelle, un des meilleurs ledge trap du jeu. Ouais. Et on accepte la hitbox de la grenade et on met un up air, je respecte. Mais là, pour le coup, il faudrait trouver un kill sur ce Snake. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être assez difficile de trouver un kill sur ce gros soldat des forces spéciales. 126%, mine de rien, il n'y a pas tout qui va tuer nos joueurs. Voilà. Ouais, je le vois. Comme d'habitude. Le crouch. Ouais, mais MotoG n'a pas encore fait de MotoG. Hein. C'est vrai, pas encore. Star Mogoy a eu cet honneur, mais MotoG pas encore. Oh le tir! Ah ouais, ça aurait été très très drôle. Ouais, le ballon. Effectivement, c'est pour le coup, bon, ça ne tuera pas. On a de nouveau un Snake à 174. En vrai, de vrai, j'ai pas souvenir de l'avoir vu survivre autant lors de leurs derniers affrontements. Donc à potentiellement, ça peut vraiment jouer en la faveur de MotoGP, ça, ce qui est en train de se passer là. Ah. Là, il n'a qu'un coup à mettre. Un petit. Voilà, c'est even. Ouais. Et en vrai, si Kurako n'arrive pas à poser plus d'avantages que ça, ça peut être vraiment compliqué pour lui, parce que le kill power de ce mec n'est plus approuvé. Oui. Ouh, on a cherché un grab là. Ok, j'ai pas pris le grab de Snake. On va bien le chercher, on a tenté. Ok, donc Kurako il met quand même des bons dégâts, mineur. 81%, 93%, on a ce livre qui va être puni, mais écoute. Voilà, par contre, waouh! Oh, le Spike! Waouh! Il était à 42%. Spike, c'est mort. Quand même très punitif. Bienvenue dans Smash Bros Ultimate! Putain, comme si je n'avais pas le jeu alors que j'ai tout coupé le jeu. Moi, je l'ai enfin acheté alors. Let's go! Bon, y'a que TR, personne pas, hein. Elle va cesser de prendre des douches comme les autres! Bah écoute, je suis à League of Legends, hein. Je suis déjà inhabitué. Putain, c'est réel. Et on est de retour sur PS2, hein.
va être full set comme ça. Je vois combien de temps va durer le set. Quelque chose me dit que ça va être un set qui va être assez long. Mine de rien. Parce que là, on a regardé la game précédente qui, je crois, a duré 400 minutes. Hein. Ouais. Ok. Pardon. Le up smash a tué. Alors, je sais que PS2 c'est un plafond assez bas, mais là je soupçonne la DIA d'y être pour quelque chose quand même. Ouais, bah je vais à la tête attends, de mon attends, attends, pardon, la phase qu'il vient de mettre était très bien. Il l'a envoyé off stage, il a éteint le cycler avec le side B et ensuite il a éteint le double saut avec le neutral B. S'il avait continué sur cette phase là, ça aurait pu donner quelque chose d'incroyable. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Cela dit, on met quand même des vrais bons dégâts sur le tech, 72% déjà pesé sur cette deuxième stock. Oh, ouais. La patience était. Il est particulièrement divertissant sur cette phase. Il s'est rapproché de. De la zone. De la... Bah ouais, mais il s'est même rapproché en mode crouch pour la shop. C'est vraiment très bien. Tenter un smash un. Ouais, attention quand même à ce. Ouais. À ce neutral B parce que mine de rien, le salut de Sam là, on peut. Alors, il peut se prendre des grenades donc ça peut être chiant dans le matchup. Mais. T'as peut tuer, tu vois. Là, on est à 133% sur un hybriding. Ouais. Oh, il est si bon. Oh là là, il est si bon. Je l'aime si fort. Aïe, aïe, aïe. Il joue tellement bien à la balle. Un homme incroyable. Si on le mettait sur un terrain de foot, il éteindrait n'importe quel game de tous ses joueurs. Ah, ça semble qu'il connaît rien en foot ou pas. En fait, je connais pas plus non plus. Hein. Je sais que le PSG ils sont bons, je crois. Apparemment. Attends, par contre, le petit neutral B upper en trolling là. En vrai de vrai. Ah, on n'aurait pas une game largement à l'avantage de Curaco là. On n'aurait pas un kill bientôt. Ah, on a, il a essayé en fait. Smash, ouais. Il a essayé en fait. Attention à la grenade. Oh, le ballon dans la grenade. Il y avait le C4 sur le ledge. Mais où est-il passé maintenant, l'autre C4? Ok, on essaie de pas se prendre le tilt. On a été pas tellement plus chill. Oh mon dieu, comment le ballon était parfait. Lucarne, c'est le seul homme au monde que j'aime regarder jouer au foot. C'est vrai. Je peux me permettre un conseil pour tout le monde. Regarder du foot féminin, c'est mieux. Et c'est même pas une blague. Franchement, moi je regarde même pas de foot. Donc. Alors, je regarde pas de foot. Et je regarde pas de foot féminin non plus. Mais pour avoir déjà testé de regarder les deux avec des gens autour de moi, je te jure, le foot féminin c'est plus hype. Ok. Elles sont trop fortes, genre vraiment. Et elles sont pas assez payées, mais ça c'est un autre débat. Et on a Joylin dans le chat. Let's fucking go. Coucou Joylin, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Il l'a défoncé. Atomisation. 16 secondes, 0 to death et un donner vraiment très bas. C'était vachement bien. C'était vachement bien. C'est pas rare par le C4 là au bord. Ok, nerf, le side B qui connectera pas. Attention, on a la grenade. Et on est mort de la grenade. Ah. On est mort de la grenade, malheureusement, le 0 to death qui va du coup pas être si concrétisé que ça, même si on a déjà quand même 63% posé sur ce snake, 92. Ah, on a retenté un. Ah, ils tentent des trucs, malheureusement, c'est qu'ils ne connectent pas les uns avec les autres, et ça, c'est un peu dommage. 10% c'est bien, mais on va pouvoir potentiellement se faire gratter par ce snake qui a déjà mis 70% sur cette deuxième toque. Motoji, on n'arrête pas les parades. Hein. On n'arrête pas les parades du tout. Motoji qui est vraiment très solide en situation de désavantage. Encore une fois, il est à 148-155 maintenant, et pourtant, il se dégonfle pas, il change pas de game plan. Il reste sur son truc, il met des dégâts, il met des trades, ouais. Il meurt toujours pas, 169%. Ah, on a retenté un petit kill au ballon. Hein. Ouais, malheureusement celui-là ne sera pas passé, par contre le fera tilt en plein dans sa gueule, celui-là, il passera. Ouais.
Ouais. On s'est très vite éloigné de ce Snake, hein. On voulait pas se faire attraper. La petite montée au piano, pile au bon moment pour, ouais, pour ce moment de la game. Il a mis 36% avec une bonne throw side B. Même pas de l'ennemi. 36%. Ouais. C'est énormissime. Ouais, on a encore eu une très bonne parade. Malheureusement, bah, est-ce que ça va suffire? On a retenté un up smash, malheureusement ça passera pas. Cura, il est juste beaucoup trop solide ce soir en fait. Hein. Ouais, bah. Ah, c'est assez fou quand même ce qu'il est en train de proposer. Hein. Il joue encore beaucoup trop bien au ballon. Hein. Eh oui, eh oui. Quel homme, ah, cet homme. Ah, il joue très très bien les baits de ballon. Hein. Ah, il est parfait. Là, de toute façon, il a plus besoin de s'approcher. Hein. Il fait ses trucs, il attend une erreur et il punira l'erreur. Ouais. Ouh, on s'est pris la grenade malheureusement, mais ça changera rien. Oh les dégâts! Ça aurait les été dégâts. Très drôle que tu vois encore le ballon qui tue. Hein. Je sais pas s'il a une inbox le ballon quand tu fais ça. Du coup, techniquement, c'est un objet qui est pris sur une winbox. Je sais pas, peut-être. Le C4. Là, c'est le C4. Ouais. Honnêtement, MotoG est capable. MotoG n'est plus capable. Il est encore capable, mais il est mort. Voilà, c'est. Oui. Bah. On a dit ça de Jésus également à une époque. Pas mal, pas mal. 2-1 pour Kurako, du coup. La RB qui se porte très bien sur cette lunaire semi. Ouais. Ok. Ouais, toujours parfait sur les parades. Hein. Et qui lui a offert une dash attaque. On s'est fait spike avant, on veut pas trop réitérer l'expérience a priori. Mmh. Ouais, effectivement, on a eu quand même ce 0-3 très impressionnant sur la première stock de la, ouais, bon, un de la game 3. Salut de Sun. C'était un bonjour le matin là. C'était un petit bon. C'était un bonjour timide. Le bonjour le fatigué. C'était un bonjour le midi. Voilà, c'est ça. Le midi les zouzous. J'ai jamais compris pourquoi l'émission minuit les zouzous existait. J'en sais rien. C'est un truc de fou. Genre, je sais pas, enfin, ils dorment normalement. Ouais. En parlant de dormir, c'est un petit peu ce que MotoG doit surtout pas faire face à ses options de son adversaire, parce que là, concrètement, là, il s'est pris une erreur, il s'endort un tout petit peu, bah voilà, comme ça, et c'est le kill. Et Kurako qui a pris que 47%. Donc, on sait que MotoG est largement capable de prendre le kill à des pourcents assez bas, hein, on l'a vu tout à l'heure avec le forwarder de Snake qui avait spike à genre 42 sur kilo, je crois. Oui. Mais. Ouais, c'est déjà que tu auras, je sais plus. Bref. Ouais, je sais pas. Les snakes se suivent et se ressemblent un petit peu, hein, je vais être sincère avec toi. Bah, en même temps, le gameplay de Snake, il est pas assez différent, hein, quoi qu'il arrive. Bah, avec n'importe quel match-up, c'est boum, boum, boum. Il y a une époque où les gameplays de MotoG et de Tarmogoy se différenciaient plus. Et là, je t'avoue que ce soir, je sais pas si c'est moi qui suis fatigué ou si c'est vraiment eux qui commencent à blend in. Mais je le vois, moi. Honnêtement, je suis fatigué, mais je trouve aussi que ça commence à. Ouais, ouais, que c'est les mêmes. Hein. Attention quand même, le petit ce qui aurait pu tuer là à 86. Hein. Ouais. Et puis il y a le smash là. Ah, oh, dommage, il a tenté de reset sur la plateforme, malheureusement pour lui, c'est pas passé. Ouais, ok. Le ballon paré à la grenade. Il peut coller un C4 sur le ballon. Non. Il peut coller le C4 sur un adversaire ou sur une surface. Je peux pas le coller sur un item. Okay. Mais ça serait drôle. Oui. Imagine, il chope la cloche de Pac-Man, il lui fout un C4 dessus. Ça serait extrêmement drôle. Ça serait incroyablement drôle. T'as des bonnes idées pour Smash 6, toi, faut que t'appelles Sakura. Je voudrais signaler quand même que Kurako est à 182%. Bah, c'est fine, hein. C'est un perso léger. 200, putain. Ça va. C'est pas tellement pour le poids du perso, c'est pour le perso adverse en fait. Genre, Snake, normalement, ça galère pas à tuer. Et là, on est vraiment
Voilà, 198 et on est mort. On est presque à l'Ivan, hein. Bon, on est à Ivan, hein. Ouais. Donc, là, on va s'esquiver. Hein. Une game 4 qui se passe beaucoup mieux pour MotoGP que les games précédentes. Déjà. Ouais. Ah, il gère vraiment très bien ses parades. Mais les deux, hein. Mais ça, le truc, c'est que les deux se connaissent extrêmement bien aussi, donc forcément, ça joue. Ouais. Oh, il a tapé dans le ballon. Oh oh. Oh okay. Oh. Ok. 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 Il peut finir là. Là, tu penses qu'un up tilt situe chez Snake ou quoi? Je pense que maintenant oui. 74, je sais pas, on est sur PS2 donc c'est possible sur une erreur ODI. Mais là 87% par contre ça tuera 100%. Alors. Il est mort. Il est mort. Il est tellement mort. Ouais, bien. Bien joué. C'est un 3-1. C'est un 3-1 pour Curaco. Bien joué. C'était beau. C'était beau. Tu vas regarder, t'as fait. Tu l'as regardé, t'as fait. En fait, je m'attendais à la spot dodge, mais c'était soit je